catch 'em all. Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Alors cette fois-ci c'est sur Alcatraz, mais en mode blackout. Oui, en mode blackout. Et là vous pourrez sous la map. Et si la zone se finit à l'endroit où vous êtes sous la map, parce que c'est à peu près grand, et ben vous pourrez faire top 1. Donc là vous rendez pareil que moi sur la vidéo et vous pouvez tuer les gens à travers et prendre un certain endroit les armes à travers aussi le sol. Et donc c'est parti. Donc ce glitch est assez simple, donc vous pouvez faire comme dans la vidéo. Donc là vous allez vous rendre là, prenez une arme avant. Ça serait mieux, voilà, donc là vous mettez là, dans le coin, voilà, une fois que vous êtes dans le coin, vous visez ici, là, le truc vert à peu près, entre les deux, tac, une fois que vous visez à peu près entre vos deux mains, ça, vous mettez rond, et là, normalement, vous pouvez vous mettre accroupi, et là, rentrer dans la grille, donc là, c'est un peu le merdier, une fois que vous serez dans la grille, vous allez devoir faire un peu droite, un peu gauche, avec votre joystick droite, gauche, un bout d'un aimant, vous allez passer, et vous pourrez revenir en arrière, en avant, comme vous voulez, et là, on se retrouve à ce moment-là, parce que c'est le plus important du glitch. Donc voilà, donc là je me retrouve là, et là comme vous pouvez le voir, ça y est, enfin je peux bouger. Donc des fois ça marche du premier coup, et des fois au bout de longtemps. Donc là ce que vous allez devoir faire, c'est rentrer un peu en vie. Donc là vous allez devoir regarder à droite, aller le plus profond vers l'arrière le plus possible, et essayer de rentrer en vie pour que ça marche. Donc là il y avait mon pote, il est arrivé, il est en train de se faire what the fuck, du coup j'attendais pour le faire voir. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc n'essaie pas trop sortir comme là, parce que là j'ai cru qu'au début j'étais coincé, mais je suis de la chance. Donc c'est assez simple pour rentrer. Donc là mon pote il fait what the fuck. Donc ah oui, aussi si vous n'arrivez pas à rentrer, vos potes peuvent vous mettre à terre. Il y a un certain endroit où il pourra vous réhab, mais sauf que c'est presque impossible, parce que tant que vous y allez vous pouvez mourir. C'est quasiment impossible. Donc là voilà, là vous êtes sous la map. Vous pouvez pas prendre les armes à cet endroit là, mais à certains endroits on peut. Et les gens qui meurent, vous pouvez tout le temps prendre les armes, sauf à 2 ou 3 endroits qui est très très rare. Donc voilà, ce glitch est vraiment what the fuck. J'ai déjà fait un top 1, 8 kills et tout, parce que la zone elle se finissait là. Donc pour sortir, les amis, vous voyez là-bas, au cas où si la zone elle est pas là, vous allez à peu près par là-bas, vous sautez, vous passez à travers, sauf que c'est un peu long, et vous êtes dans l'eau et vous respawnez. Donc là, voilà, là il y avait un ennemi au-dessus de moi, mais sauf que j'avais pas pris d'armes. Prenez une arme pour entrer dans le glitch, au moins vous pouvez tuer les gens. Donc là vous pouvez le tuer, mais sauf que là j'avais pas d'arme et j'étais trop petit. Donc voilà, donc là j'ai refait le glitch avec une arme que vous allez chercher sur le bâtiment juste à côté. Après vous allez vite faire le glitch. Donc voilà, donc là je vais en mettre un ou deux trois lots et je vous fais voir un endroit où vous pouvez toujours prendre les armes et tout. Donc là déjà au dessus de vous là, voilà, le couloir là, vous pouvez tuer tous les gens qui étaient au dessus de vous. Après dans la maison, quand il y a des sols, c'est presque pas possible hein, sauf à 2 ou 3 endroits. Donc les amis, au moins si vous trouvez des endroits, dites-moi, ou des trucs pour aller plus loin et tout. Donc là, vous pouvez pas prendre les armes, ce qui est un peu dommage. Donc là vous allez le rendre à l'endroit où je vous disais, votre pote il pourra vous réa, où je vais tuer un ou deux trois gens. Deux ou trois gens. C'est oui, si votre pote il vous met à terre pendant que vous n'arrivez pas à faire le truc, bah vous pourrez aller directement en anglais pendant que vous êtes à terre. Et il pourra vous réa à un endroit et ça vous fait en glitch, mais c'est presque impossible. Mais là, ça je l'ai déjà dit, donc je me répète un petit peu. Donc c'est parti pour aller dans l'endroit que je vous dis qui est pas mal. Donc là oui, donc là comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas tirer à travers à cet endroit là parce qu'il y a un sol. Sauf à 2-3 endroits où il y a du goudron. Donc voilà, donc là vous vous rendrez pareil que moi dans la vidéo. Donc là vous allez voir, je vais le toucher, blam blam. Lui il va se prendre très très cher. Là vous vous mettez accroupi, vous allez en dessous. Mais le problème c'est que vous ne pouvez pas revenir. Et c'est ça, c'est à peu près à cet endroit là où votre pote il peut vous rire à travers, parce que c'est un peu chiant. Donc là moi je savais pas encore qu'on pouvait aller dessous. Donc là je vais le découvrir en étant de vous, si tout se passe bien. Là je vois mon pote, il est en train de le finir. Et vous allez voir, là je vais pouvoir prendre son loot qui est mort. Et moi je vais regrouper vous. Voilà, bon c'est un peu de la merde. Et voilà, donc là vous vous mettez à terre. Ouais, vous venez, vous pouvez vous mettre accroupi. Donc là je me mets assez low parce que j'avais plus de balles. Voilà, donc là vous pouvez aller là, parce qu'après le problème c'est que vous pourrez toujours revenir à plus tard sur ce glitch. Donc c'est pas grave. Donc là vous pouvez prendre toutes ces armes, boum. Moi j'ai pris plein d'armes et tout. Voilà, voilà. Dans une vidéo j'en ai même tué 8 et j'ai fait top 1. Hein. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon moi sur ce les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc attendez, ah non, qu'est-ce que je dis moi. Donc là voilà, donc si vous continuez à aller là-bas, tout... Bon donc là on peut pas remonter, je vais pas voir, je peux pas remonter. Donc là si vous continuez à aller tout là-bas et vous mettez accroupi, votre pote il pourra vous rire. Donc c'est peut-être pour ça que je vous ai dit que c'est presque impossible, parce que vous aurez presque plus qu'un HP, donc il faudra faire hyper vite.
Bon les gars, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu et la prochaine vidéo sur le Street Croquet. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et surtout, je vous dis ciao tout le monde et bon game.